Quel stage j'ai pas vu? Smashville. Parfait. C'est parti du coup. Ça a pas l'air d'être un button check, non? Bah allez, ouais, hein, on y va. Ça commence directement avec les petites AT. Hein. Mm. C'est juste pour le style. Hop, faire tout faire. On dirait chic. Alors je pense peut-être que ce que Quisto va chercher à faire, tu sais, c'est quand il balance les petites électricités comme ça, tu vois, faire le counter comme ça, le Pikachu il peut pas trop se ramener en fait. Ah ouais, j'avais vu une vidéo comme quoi le mec il avait fait 3 counters à la suite, je crois, et finalement c'était passé. Ah là là. Ça m'avait bien fait rire là pour le coup. Ah bah c'est sûr que le counter de Corinne, hein, pas mal. Et là ça a tenté le jab block. Malheureusement, un peu trop à l'edge du coup, bah Quisto il est tombé en fait. D'après le stream, Corinne défonce Pikachu. Bah écoutez, je vous crois. Ah bah parce que vu la portée, et le fait que, qu'elle tue super tôt. Après je sais parce qu'en fait j'ai vu des MU charts sur internet et donc du coup j'ai vu que ça mettait sur Even. Enfin sur Even à 50-50 quoi, du coup bon. J'ai pas trop la connaissance du match. Je joue pas les deux persos donc Moi je joue Corinne un peu. Idée. Bon. Après c'est vrai que Corinne, enfin hein, je peux voir pourquoi elle a l'avantage sur Pikachu, ouais, ça c'est clair. D'un côté Pika, tu sais pas hein, parce que bon des fois. Ah bah là voilà. Très bon contre hein. La portée du truc. Après c'était juste en face là, mais bon c'était le F-Smash de trop j'ai envie de dire. Hein. Ah ça a voulu side B ou tipper. C'est difficile hein pour Chuskar. Ouais là ça va pas être facile de revenir. Faut qu'il calme un up-smash un peu calé. Ah ça cherchait encore le jab lock mais bon c'est pas ça, c'est pas parti. Puisque ça tech. On peut voir que là, Chuska, il a vraiment envie d'en finir, hein. Il fait plein de F-Smash un peu comme ça là. Faut qu'il fasse très attention. Hein. Qu'il se reprenne pas un counter comme tout à l'heure. De toute façon, qu'est-ce qu'il a Pikachu pour tuer? Il a le F-Smash, il a le Up-Smash, il a ben, le Fatal Foudre si c'est bien passé, et le Neutral Air à très haut pourcent. Ouais, après ce qu'il peut faire aussi, tu sais, vu que Pikachu lui, il a assez de facilité à revenir sur le stage. Tu vois, c'est le truc que je disais tout à l'heure, ouais, c'est les comptes. Vu qu'il a assez de facilité à revenir sur le stage, contrairement à Corinne, tu vois. Il peut emmener Corinne tout en bas avec un backer, par exemple, si jamais bah, Corinne fait pas le B avant, du coup ça peut être avantageux. Bon après, faut le caler quoi. Ah, très beau. Oh, dommage. Ah, dommage, il y a trop de pourcents là, c'est pas passé. Hein. Mais c'était vraiment, vraiment très près. Et vraiment trop de F-Smash, hein, je pense, la part de Juskar là. Ah, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt safe. Hein. C'est assez safe, tu vois, mais d'un côté, s'il en fait trop, c'est assez prévisible. Et là par contre il a fait faire tout up smash, allez hop on en parle plus, c'est fini. Par contre il va falloir qu'il revienne parce qu'il a 93% vrai. Ouais faut pas imaginer qu'on peut placer les F-Smash comme ça. Bon c'est passé tout à l'heure sur Fox, il a fait ça tout à l'heure, il a spammé un peu les F-Smash. Normalement il faut le faire après un combo. Voilà en tout cas un moment où tu te dis ouais là il pourra pas punir. Enfin après les F-Smash Pikachu sont assez safe. Hein. Ah bah tu vois t'as vu. Putain. Le petit compte l'a bloqué. Ouais, ça a beaucoup utilisé la plateforme hein, pour plus qu'attaque comme celle-là. Je vois El Mayor, il n'y a jamais trop de S-Smash. Hein. Je suis d'accord. Comme le backer qui est passé à travers la hitbox active du chargement du F-Smash de Corinne. Ouh, très bien joué le Spike avec le Thunder là. Ça, c'est le comeback dont Chuskar avait besoin, je pense. Alors, hein, Corinne défense Pikachu. Et moi je dis 3-0 pour. Allez, non, c'est ce que je dis. C'est pas un best of 5, c'est un best of 3. Ouais, c'est des poules. 2-0 pour Chuskar. Oh, ce contre un peu. Avec un peu trop d'ambition, j'ai envie de dire. Ouais, tu fasses Wolf Pair avec Pikachu, tu peux grab juste après. Ouais, donc là la plateforme était placée pile où il faut pour cancel avec. Là, vive attaque. Ça a chopé l'edge, ouais. Classique, dash attack pour mix up un peu, ouais, bien joué. J'aurais bien vu un petit FR après, mais ça devait pas être safe. Ah là là, ça a voulu choper le side B au F smash, malheureusement, pas assez de portée, hein, je pense. Et du coup, bah, la Corinne qui s'était éloignée avec le side B, bah, ça a suivi derrière. Alors là, ça a voulu faire un petit truc à la Roy où, avec la plateforme, tu fais jab tout le temps, mais bon, avec le down tilt, ça passe pas, je pense. Donc 93% sur Quisto. À 100. Oh, j'aurais pensé que le smash ça aurait tué, mais la Thunder a pas suivi après, dommage. Sinon là, il se prenait le deuxième coup du Thunder sur Pikachu et là c'est fini. Dans smash qui a bien cover là.
Quistos qui va faire devoir très attention. Hein. Pikachu très léger, mais bon, il est quand même pour 100 et là, c'est pas encore fini. Hein. Et s'il n'arrive pas à caler un tipeur, parce qu'il y a la rage, hein, faut pas oublier, mais bon, ça va être difficile. Hop, le back air qui dure assez longtemps, Pikachu, du coup, ça a pu choper l'herbage. Un pro, ouais. Ah, ça a voulu ride un peu, genre voir ce que Quistos allait faire. Donc le Donner là qui a complètement arrêté le neutral B de Corinne. Ah mais là c'était un up smash gratuit, il a préféré aller sur le grab quoi, dommage. En espérant que du coup ça foire pas la game pour Quistos. Et là j'ai cru qu'il était en fast fall en fait. Après avoir fait la dash attack sur la vive attaque pardon sur la plateforme. Mais le back air en dehors du stage qui va finir cette première game. Très bien joué de la part de Chuskar du coup. Très bon Pikachu. Du coup on va voir si on va avoir peut-être un petit changement de perso ou peut-être choisir un autre stage pour Corinne. On verra bien. En tout cas c'était vraiment genre le spike au Thunder qui a vraiment retourné la game. Hein. C'était vraiment très bien joué de la part de Chuskar. Et ça part sur destination finale je crois. Si j'ai pas mal vu, c'est ça. Donc là il n'y aura pas de plateforme pour Quick Attack Cancel. Donc bon c'est pas un mauvais pic hein, contre de la part de Corinne plutôt. Après on va voir du coup si elle peut quand même réussir à se débrouiller. Donc nez sur side B, pas mal. Faire, ça passe pas le deuxième. Ça a voulu faire un truc assez ambitieux là avec le neutral B de Corinne. Upper Nair. Ouh, très bien joué, ça catch le, la boule électrique, a catch le, la vieille attaque de Pikachu. Malheureusement, la morsure a pas eu le temps de suivre. Ah, le contre un peu trop ambitieux là encore. Oh, la patek, mais ça revient. Bien joué de la part de Chuskar. Ouais, faut faire attention à ce smash tipé, ça aurait pas tué à cet endroit là, mais ça aurait été dans l'autre sens là, aucun doute là-dessus. Donc Corinne déjà à 115% presque. J'ai laissé le stream. Ouh, ah. Il a ride l'air dodge du coup, il a attendu avant de faire le thunder et bah, ça a pu choper. Ouais, t'arrives pile au bon moment, c'est ça en fait. Ta présence a fait mourir Quistos. Alors, hein, 2-0. Mais putain, ça a l'air bien parti hein, pour l'instant. Hein. Ah, ça a voulu contre la live attack. Bon, je sais pas trop, je suis pas fan. Je suis pas fan de cette idée. Le down throw, ça tuera pas encore. Mais après, la meilleure option de kill throw de Corinne, hein, ça restera le up throw. Après, le up air là. Ouh, ça a presque touché à la paralysie, mais ça aurait rien fait. Et la get up qui s'est fait catch par le F smash de Corinne, typé en plus. On aurait dit Mars. Mais avec plus de portée. Ouh, là encore, ça a voulu faire un jab lock sans succès, malheureusement, parce qu'il est tombé du stage. Ah, si ça avait été beaucoup plus proche. Ah, bah là, ça aurait passé. Donc le Thunder qui est pris, mais pas le deuxième coup. Les petites ailes. Alors là, il y a plus de Quistos. Hein. Allez, il faut aller chercher. Ça touche vraiment. Le F smash, ça touche pour faire le two front punish. Je sais pas, je pense que ça peut, ouais. Je la vois faire ça depuis tout à l'heure, je sais même pas si c'est possible en fait. Je croyais que ça pouvait jamais toucher en dessous. Ouh, très bien joué la perte sur Up Smash, bien joué. Valeur sûre. Après un petit contre de Corinne pour revenir au score. Side B, ah non. Ah là, ça fait un peu trop smash là, fais attention. Oh, ouh, très bien joué là par Quistos là. S'il relâchait pas le shield, c'était le shield break. Donc là, Chuskar qui était un peu dans une mauvaise position, je pense qu'il a préféré lâcher. Peut-être avec une roulade ce serait passé. Mais bon, je sais pas, peut-être. Mais là, il avait pas beaucoup de solutions. Il avait pensé. Il avait la rine, donc tout allait bien. Donc après là, bon, 53-29, c'est un peu là, ça reste la game tout le monde, bon, avantage de Chuskar, mais bon, c'est tout est possible. Alors là par contre, ça touchait, c'était fini. Hein. Ah. Ah là là.
C'est pas, pas du bon côté malheureusement. Invincible, hein, la petite Corinne sur le baie du coup, hein, la petite boule d'électricité, pas grand chose. C'est bien n'importe quoi. Oh,